Moi, je m'appelle Tony Cole, je suis d'origine hollandaise et j'ai été cinéaste pendant 35 ans. J'habite ici dans le coin pendant 15 ans et je suis tombé vraiment amoureux de cette vallée et ses habitants. Je m'appelle Muriel, je suis réalisatrice, technicienne, images et montage. Je m'appelle Claire, j'habite depuis 8 ans à Vallée-de-Latine. Je fais de l'éducation à la nature et au patrimoine. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes âgées ayant toujours vécu dans ces montagnes et je trouve leur parcours de vie passionnant. Nous voulons faire un film documentaire pour recueillir et transmettre la parole des anciens de cette vallée. Et oui, nous sommes dans les Cévennes ardéchoises, une région très longtemps isolée du monde moderne. Et les habitants, qui ont dû vivre en autarcie, ont développé un mode de vie qui est unique. Et ils ont un sens des valeurs qu'ils nous ont transmises, qu'ils veulent nous transmettre et qui Et peuvent qui nous peuvent enrichir, nous enrichir les uns les les uns autres, et les les uns les autres, autres, et vous et vous aussi. aussi. Il faut dire que toute ma vie en tant que cinéaste, j'étais collectionneur des histoires de la vie des gens. Pour moi, nous sommes tous des maillons dans une chaîne de génération. Pour comprendre aujourd'hui, il faut connaître hier, c'est-à-dire la vie de nos ancêtres. Aujourd'hui, quand je regarde ces paysages à l'abandon, je m'interroge sur leur histoire et sur le travail de la terre par les anciens. Et c'est seulement grâce aux témoignages des personnes âgées vivant encore aujourd'hui que je peux comprendre la métamorphose incroyable de ce pays. Je suis très motivée de participer à la mémoire collective en utilisant l'outil audiovisuel qui est ma passion et je me sens gardienne de la mémoire de mes ancêtres cévenols. Nous réalisons ce film documentaire bénévolement et il sera diffusé gratuitement. Le budget du film est de 10 500 euros. Il nous manque 4 600 euros pour payer la technique et les défraiements. Parce qu'ils sont peu nombreux aujourd'hui, parce qu'ils ont plus de 80 ans et que désormais leurs années de vie sont comptées. Il y a urgence. Nous avons besoin besoin de vous. Merci. Merci.